constaté qu'il y avait beaucoup de musique un peu triste, un peu cold wave, qui se baladait par-ci par-là. Puis nous, on est allé exactement à l'opposé. On essaie de faire un truc assez, assez sympa, assez cool et qui fasse sourire les gens, tout simplement. Mais déjà, le but de mélanger tous ces styles à la base, c'était nous de nous faire plaisir à jouer ensemble. Et du coup, naturellement, en jouant ces morceaux sur scène, ouais, forcément, on s'est vite rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'était passer un bon moment avec le public et donc essayer de transmettre quelque chose de joyeux à travers notre musique. Ça vient aussi du fait que globalement, comme on l'a dit avant, on mélange de nombreux styles qui correspondent aux différentes influences qu'on a eues musicalement. Et c'était un bon clin d'œil aussi que de mélanger différents pays, différents endroits. On utilise des percussions qui viennent autant d'Amérique du Sud que d'autres types de percussions. Et c'était un petit clin d'œil sympa aussi que l'utiliser. Puis c'est surtout pour nous faire marrer, en fait. C'est souvent un des six qui ramène une première idée. Ensuite, on a tendance à construire le morceau tous ensemble en essayant un max d'instruments. On ramène la caisse de percussion, la trompette, enfin tous les instruments qu'on a sous la main. Et on essaye plein de possibilités pour voir ce qui fonctionne le mieux. On joue tous plusieurs instruments et c'est vrai que c'est souvent Erwan, le guitariste soliste qui est là, ou Tom le trompettiste qui amène des lignes mélodiques, et après les arrangements on les fait souvent à 6 et on joue tous plusieurs instruments, au moins tous des percussions, et après plusieurs instruments dans le groupe. Oui. Le prochain concert sur Paris, donc à la Dame de Canton, le 12 février, puis ensuite on jouera le 19 février à Bretignolles-sur-Mer en Vendée pour un tremplin pour un festival qui s'appelle La Septième Vague. Ensuite, en mars, normalement le 12, on devrait jouer dans le Val d'Oise à Saint-Prix. Puis après, des concerts en avril, le Bêtise Fest à Cambrai, dans le nord de la France. Et également une date au Ferrailleur à Nantes. Et puis d'autres dates à venir, voilà, qui sont en cours de programmation. Mais avec l'idée de jouer beaucoup et de continuer à faire des scènes. Merci beaucoup, les Stone Pops. Merci. Merci à vous.